C'est quoi cette lumière? C'est quoi ça? Regardez. Ah, du soleil, du soleil, du vrai soleil. Aïe, dans les yeux, aïe, j'ai plus de yeux. Ah, bonjour à tous et à toutes, comment ça là va? Ouais, c'était un truc entre comment vous allez, comment ça va, est-ce que vous allez bien? C'était un mix de tout ça. Comment ça va aujourd'hui? On a le droit à du Elena d'Avalor. Princesse Elena va... Eh, j'ai une petite truc là qui remonte là, on dirait celles qui font les gros choupettes là, comme ça là. C'est trop moche. De quoi? Ouais, c'est trop moche. Moche. Les trucs comme ça là? Ouais. Les bananes, ça s'appelle une banane, c'est ça? Ouais. Comment ça va Corinne B? Ça va. Pour ce dimanche? Ça va. Tranquillou bilou? Il est 9h38, ouais. C'est ça? Ouais. Et nous, donc Adam et moi, on va bouger. Ça va traîner, hein. Ça va traîner, ça va aller choper du terral, du Pokémon. Ouais, je sais, ça saoule certains, je sais, je l'avoue. Mais voilà, c'est... Je vous rassure, ça me saoule moi aussi, hein. C'est vrai? Ça te saoule? Oui, tu le sais que ça me saoule, tes Pokémon. Chacun sa passion. Bah, ses passions, parce que j'en ai pas qu'une, c'est ça le pire, c'est que j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. C'est le problème, mais bon, pas avec. Ah, ma fille, on fait avec. Ben ouais, quand t'es addict, t'es addict. Arrête, Aya. Moi je suis un mec comme ça. Moi quand j'aime quelque chose, je le fais à fond. Toi? Pff, je t'aime. Ouais. Mais je te fais à fond. Aïe aïe aïe. Ben, je t'aime à fond. Je passe pas, je te. Ouais, parce que ouais. Ça pourrait être mal interprété. Je t'aime à fond, ma femme. Ouh, la puissance! Ouais, la puissance. Oh là là, la puissance! Donc ouais, donc pour nous avec Adam, ça va être chassage de Pokémon. Pour Corinne et les filles, bah, ça va être glandage à la maison. Alors Corinne, elle a dit qu'elle avait plein de ménage à faire, sa poussière, faire l'étoile d'araignée, parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'étoile d'araignée, elle les fait pas trop. Donc il va falloir peut-être penser à faire l'étoile d'araignée, Corinne. Hein. C'est clair. Sérieusement, t'as, je t'appelais Corinne, ça fait trop bizarre. Ouais. Donc parce que l'étoile d'araignée, ça commence à bien faire. C'est clair, ça a abusé. Et ça se trouve, le pire, c'est qu'il y en a des vrais, ça se trouve, qui se baladent dedans. Ah bah non, parce qu'ils ont leur... Ouais, ils ont leur truc. Donc voilà, donc techniquement, c'est le vlog de mardi matin. Hier matin, lundi matin, vous allez avoir... Vous aurez eu... Putain, parce qu'on l'a pas filmé encore. Bah, Corinne l'a pas filmé, mais vous aurez eu une idée recette. Je vais me mettre comme ça, parce que comme ça, voilà. Hier soir, vous avez eu... Normalement, les community des Pokémon, sauf s'ils l'annulent, parce que à l'heure où on n'est pas sûr encore qu'il aura lieu, parce que dans certaines villes, il a été annulé à cause de bugs. Bon, après, dans d'autres villes, il a eu lieu, donc on espère tout juste que, voilà, qu'il sera en truc. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour maintenant. Toi, tu vas faire quoi alors de ménage? T'as dit que t'allais faire un petit peu de manger? Donc je vous laisse avec Corinne et moi je vais sur Narbonne, je vous ferai peut-être... Ouais, salut, on est à Narbonne, point. Je vais vous faire un petit coup du... regardez le monde qu'il y a qui joue à Pokémon. Et les garçons sont partis, ça fait bon, une bonne heure et demie je crois qu'ils sont partis. Moi j'ai attaqué mon ménage, donc j'ai fait salon, salle à manger, j'ai fait les toilettes, j'ai fait la salle de bain, enfin bon. Les trucs à faire, ranger bien notre chambre et tout. Donc là il me restera juste les salles à faire. Et ce sera déjà pas mal. Et aujourd'hui, c'était ces missions. Ah, c'est. Parce que j'ai déjà fait une bonne partie. Lavage de draps, vu qu'il fait beau. Il y a du vent pour que ça sèche. Parce que alors, cette semaine, j'ai voulu les faire. Mais vu le temps de crotte qu'on a eu, on n'a pas pu le faire. Bah, j'ai pas pu le faire. Donc, du coup, là, il y a une machine qui est en train de tourner. Et après, il y en a encore une autre. Et après, comme ça, je serai à jour pour les draps. C'est cool. Serviettes de toilette, je les ai fait hier. Donc, ça, c'est fait aussi. Pour repartir sur une semaine nickel. Bon, ça va être une semaine de 4 jours, ça va. Je travaille que lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et la semaine d'après, je travaille que 3 jours parce que je suis libre. Donc c'est cool ça. Là, je vais aller voir ce qu'on va manger à midi. Parce qu'il est 11h passé, je crois. Ouais, je vais aller voir ce qu'on va manger. Bon, les filles, si je l'écouterais, ça serait des pâtes. Donc je vais voir. Si je suis motivée à faire autre chose, voilà. Sinon, bah, ça sera des pâtes. Et puis voilà. Et sinon, en cuisine, moi, je vais faire du riz au lait, parce que Yael, ça fait des semaines qu'elle m'en demande, donc je vais en faire. Du riz au lait, et je vais faire un tiramisu pour ce soir, parce que j'ai la mascarpone à faire avant qu'elle soit plus bonne. Et pour 4 heures, je pense que je vais peut-être faire un roulé, je vais voir, suivant la motive. Et puis, bah, voilà. Hein.
Je devais filmer l'idée, bah, les idées recettes, bah, les idées repas, mais Romain a pris mon téléphone, donc je sais plus ce qu'on a fait cette semaine, donc bah faut que j'attende qu'il rentre pour pouvoir le faire. Puis de toute façon, il va falloir que je vais me doucher quand même à un moment ou à un autre, parce que quand il va rentrer, on va certainement aller se promener vu qu'il fait beau, donc on va en profiter. Puis vu qu'Aya veut absolument sortir, l'enfant qui est perdu quand elle ne sort pas. Et puis ben voilà, hein, le programme de la fin de matinée et début d'après-midi, parce qu'ils ne vont pas rentrer tard, je pense que sur le coup de 2h30, 3h, ils vont être là, normalement. Au plus tard 4h, on verra bien. Après, en soi, c'est pas grave. Moi, ça me permet de faire ce que j'ai à faire dans la maison, donc c'est bien. Parce que, sinon, je suis obligée de le dimanche soir, je suis obligée de le faire en 2-4-2 parce que bah, on rentre tard ou autre. Donc, au moins, là, j'ai le temps de le faire tranquille. Mais bon, là, j'ai bien avancé, je suis contente. Ouais. Donc, voilà. Donc, je vais aller voir ce qu'on va manger et puis bah, on se retrouve un peu plus tard. Voilà. Ouais. Coucou, on se retrouve. Bon, on se retrouve dans la cuisine. Donc, bah, j'ai fini ce que j'avais à faire, à part bon, bah, les machines, que ça a fini de. Voilà. Mais bon, voilà, ça va se faire dans la reste de la journée. Donc, là, avant de manger, donc du coup, bah, ça sera pas de jambon, parce que les filles, elles veulent manger pas de jambon avec du gruyère. Bon, bah, ça sera pas de jambon, c'est pas grave, hein, en soi, c'est pas dramatique. Donc, du coup, je vais faire le roulé pour 4 heures. Un roulé au chocolat ou à la confiture, je sais pas, je vais voir avec les filles ce qu'elles préfèrent. Mais déjà, je vais faire le roulé, comme ça, après, je pourrais faire cuire les pâtes et. Voilà, comme ça cuira entre les deux. Donc alors, pour un roulé, parce que c'est la... Non, si je crois que j'en ai... On en a déjà fait, hein, mais ça fait super longtemps. Donc là, puis ça fait longtemps que je voulais tester, bah, en faire un. Je sens un gâteau simple et rapide à faire. Donc il faut 4 œufs entiers. Voilà. En fait, cette recette, elle est super simple. En fait, le plus compliqué dans cette recette, c'est faire le roulage. 150 de sucre, que ça va pas. Hop, là je vais y arriver. Hop, là. 150, impeccable. Et il faut 125 de farine. Impeccable, un verre. Et après il faut un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure. Voilà. Et après, il faut tout mélanger. Je vais le faire au robot, c'est plus rapide. Et après, l'étaler sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et laisser cuire 15 minutes à 180 degrés. Donc, il n'y a rien de compliqué. Voilà, je l'ai mis sur la plaque de cuisson. Donc, maintenant, je le mets au four pour 15 minutes. En attendant que ça cuit, du coup, j'ai fait un tiramisu vite fait, bien fait. Voilà. Donc, il va aller au frais. Je sais pas s'il sera mangé ce soir, au pire il sera mangé demain midi, puis voilà, c'est pas grave. Allez, je retourne à mes occupations. Bon, le roulé, je viens de le sortir, voilà, il est cuit, il a mal l'air bien tendre. Donc du coup, j'ai demandé aux filles, elles veulent Nutella. Les garçons sont pas là, donc c'est les filles qui commandent. Oh là, il faut faire doucement. Donc je... Ah, ça enlève toute la peau. Hop là, faire doucement. Hop là. Tu fais quoi? Je fais un roulé. Nutella. Pourquoi ça sent bon? Ouais, voilà pourquoi ça sent bon. Tant mieux. Déjà, ça sent bon, qu'a dit Aya, donc ça va bien. Hop là. Bon. Il aime pas la confiture de fraises. Oui, de toute façon, en plus, Adam, oui, c'est vrai, il aime pas la confiture de fraises. Bon, on va dire qu'il y a assez de Nutella. Hein. Oui. On va voir. Et maintenant, on va essayer de le rouler. Oui. Donc, c'est marqué ouais, avec un torchon humide. Bon, celui-là, il est un peu humide. Mais ouais, je suis pas convaincue. Un peu dire. Il se casse. Il se casse. Il s'est cassé. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Ça sera quand même bon. Voilà. Voilà. Même s'il est cassé, ça se mange. Ouais, vu que je l'ai mis sur une feuille de papier sulfurisé, on va dire que c'est pas évident. Voilà, je vais le mettre dans sur une assiette. Ça va. Il est cassé de l'autre côté. Ouais, il est un peu cassé. Mais bon. Ça tient un peu. Ça tient. Ah, on va dire que ça ressemble à un roulé. On va remettre un peu de Nutella dessus parce que voilà, les filles, c'est des gourmandes. Ouais. Hop, voilà. Merci. On a tous des gourmandes. Voilà, c'est ça. Voilà. Des gourmands de génération en génération. Je me mets à côté de toi, maman. D'accord. Et après, on va les manger parce qu'il y a les pâtes sont cuites là.
Allez, on va juste en mettre dessus. Voilà, parce qu'après trop de Nutella, tu le Nutella. Et on va le laisser refroidir. Et puis on va cacher là. Petit bouquet cassé. Bon, il va falloir vraiment que je m'entraîne à le faire rouler. Hein. Mais bon, vu qu'il est sur les papiers, sur le papier sulfurisé, on va dire que c'est pas évident à rouler. Donc, mais bon, hein, c'est pour nous. C'est fait maison, c'est fait avec amour, c'est le principal. Voilà. Bon, on a mangé. J'ai été étendre la nouvelle machine. Là, j'en ai lancé une autre. Hein. De toute façon, c'est le train-train, voilà. Là, je suis en train de faire le riz au lait pour Yael. Mais pour moi, parce que même moi, j'en mange. Donc, pour le riz au lait, il faut 1 litre de lait, 5 cuillères à soupe de sucre. Qu'on fait bouillir. En fait, une fois que ça c'est bou, bah, c'est bou, ça a bouillu. Voilà, on met 100 g de riz dedans et après c'est à feu doux et voilà. Faut attendre que le riz cuise et puis voilà, il y a rien de sorcier, il y a rien, voilà. Elle sera contente et puis voilà. Et puis là, il me reste quoi à faire? Sortir des nouveaux draps pour remettre les draps sur les lits. Et puis actuellement. Accessoirement aller me doucher, ça serait bien avant que Romain y rentre. Et puis s'il le mangeait pour ce soir, je vais aller sortir la viande pour ce soir, je vais faire un pâté de Pâques. Ouais, un pâté de Pâques, ça fait longtemps, c'est pas normalement on le fait pour Pâques, mais on s'en fiche, on peut le faire comme on veut. Donc il me restera juste ma pâte à faire tout à l'heure, mes yaourts à faire, et puis ben voilà ma foi. Une matinée plutôt productive et début d'après-midi aussi. Donc là, je vais aller sortir les draps, refaire les lits. Et après, je vais me poser un peu et j'irai me doucher. Voilà. Tout en surveillant le riz au lait. Voilà. Je suis de retour à la maison. Après avoir fait mon geek. Et ma femme m'a très mal accueilli, je trouve. Elle m'a pas dit de « Oh, mon amour, tu m'as manqué. » Il était bon ton pain au... Ouais, en fait, c'est au... Au noir? Au noir et au bleu. Et au bleu? Oui. Mmh. Au roquefort. Et tu l'as fait réchauffer ou pas? Ah. Je pense que réchauffer, serait meilleur. Mais... Ah ouais, on sent le roquefort. Ah si, c'est bon, je trouve. Et les roquefort. Il est fort. Si je puisse. L'Europe. Enfin bref. Sinon. Voilà, tout ça. Comment t'as peur de la vie? Voilà, je suis rentré. Corinne était posée sur le lit, tranquillou. Ouais, je me suis posée un peu. Elle était assoupie. Ah. Je l'ai réveillée, la pauvre. C'est pas grave. De toute façon, c'est que j'attendais que la machine finisse. Et là, elle va filmer, parce qu'en fait, elle m'attendait pour filmer le. Je l'en réveille. Je me suis douché, vous avez vu quand même, c'est mieux. Bon, bah je vous laisse. Je vous laisse avec Corinne. Bon, allez. Tchou. Il doit être 17h. Et en fait, Aya nous bassine depuis quasiment 2 heures pour sortir et faire de la trottinette. Donc on se promène un petit peu. À croire que j'ai pas marché assez aujourd'hui. J'ai oublié de te dire, j'ai fait 14 km à midi. Entre 11h et 14h. C'est bien. 14 km de marche. C'est tranquille. Donc là, je continue. Je dois être à quasiment... Hier, j'ai fait 22 000 pas. Et là je dois être à 19 000, donc je pense que si ça continue comme ça, je vais dépasser mon record d'hier, parce que hier c'était marqué record. Ouais. Partagez-le avec vos proches, record 22 900 et quelques pas. Là on a hâte, parce qu'en fait il y a un petit moment on a commandé des montres sur AliExpress, des montres podomètres, pour faire podomètres, donc un peu les montres un peu connectées, tout ça. Qu'on a acheté une misère. Je crois qu'on les a achetés 6,95€, 93 même. Donc moins de 7€ la montre. Quand on sait qu'une montre connectée en France vaut au moins 80, 70, 80€. Bon, après c'est pas de la marque, c'est pas du Sony, c'est pas du... Mais tant que ça fait le job, on les a pas reçus encore. Donc, si ça fait le job pour 7€, voilà. Et donc en fait, parce qu'on se dit que je fais ouais peut-être 13 000 pas. Ou 14 000 pas ou autre ça, mais beaucoup de temps mon téléphone est posé, surtout à la maison, parce qu'à la maison en fait, entre les pas, cuisine, salle à manger, cuisine, toilette, nanana, en fait on voudrait savoir combien de pas on fait,
Voilà, donc je pense que la montre sera nécessaire pour ça. Voilà. Et moi j'ai mon manger du midi qui est encore sur l'estomac. En fait j'ai perdu 800 calories, mais j'en ai mangé 1002 à peu près. Hein? Je sais pas, mais c'est de la friture donc. Ouais. Tu sais les petits bâtonnets de poulet frits là. Voilà, toi-même tu sais ce que c'est calorique, voilà. Allez, on continue à marcher et on se retrouvera sûrement à la maison, je sais pas, on verra. Il fait chaud en fait. Il fait bon, hein. Bah quand je suis rentré, il faisait 25 degrés. Ouais, c'est ce qu'ils annoncent. Donc pour un 21 octobre. Quel prochain, ils annoncent 12. Bah en même temps, on a eu 13, c'était quand? Hier matin, non, en partant. Là, a priori, l'hiver va s'installer fortement à partir de la semaine prochaine. Ouais, mais on profite encore de quelques temps de... Le ciel bleu, ouais. Surtout. Regardez, c'est magnifique. Bon, après, ciel bleu quand même. Ciel bleu, mais ouais, mais là il fait super bon quoi. Bon, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner, tout ça, tout ça. Et toi, tu manges quoi? Moi, je mange du pâté de Pâques, pâté biluchon avec des endives parce que voilà, j'ai envie d'endives. Donc je mange des endives. Ça m'a l'air vachement bon. Oui, parce qu'en fait on a oublié complètement de filmer, hein, parce que donc on est parti se promener avec Aya et après on est rentré. Après moi je me suis posé sur mon vlog. Toi tu as fait quoi? Toi tu as fini à manger. En fait elle a complètement oublié de filmer. Ça, j'ai pas pensé, ouais. Donc elle a fait la pâte maison, tout ça. Donc c'est un petite pâte brisée maison. Voilà, avec de la viande hachée, des œufs. Et en fait, à l'origine, nous on appelle ça un pâté de Pâques. Mais je crois que c'est un pâté birichon. Ouais, moi c'est pas un pâté de... En fait, c'était typique birichon. Ah bah, c'est normalement, ils le font pour Pâques. Mais voilà. On s'en fout de Pâques. Voilà. Donc, on va vous quitter là parce que là, voilà, t'as vu, on va manger. Et tant qu'on parle, je peux pas manger. Ouais. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas. Et t'as été plus souvent dans le vlog que moi, je crois. N'oublie pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ouais. Et on se dit donc à demain pour la... Non, bah c'était hier la recette, donc à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Voilà. Ah, je travaille pas mercredi. Ça fait tech. Ah oui, bah ouais, je travaille pas mercredi. Et donc, on va aller se baigner à la plage peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi, s'il fait, y a du soleil, je vais me baigner à la plage. Merci. On croise les doigts. Merci. Oui, ils annoncent du soleil, mais avec des degrés, ça va piquer, je pense. Donc 11h, on te dit à demain. Mercredi, il faudra penser surtout, bref, à envoyer plein d'ondes positives. Oui, mercredi. Voilà, on pense à toi. Allez, tchou.